Gasparas Stempa, en 1554 à Venise, vous publiez des poèmes d'amour presque tous dédiés au comte Colaltino di Colalto, un seigneur de la guerre. Comment l'aimez-vous? Amor m'ha fatto tal ch'io vivo in fuoco, qual nuova salamandra al mondo. Le mie delizie son tutte e il mio gioco vivere ardendo e non sentire il male e non curar chei che mi induce a tale abbia di me pietà molto né poco. Ed io d'arder amando non mi pento, pur che chi m'ha di nuovo tolto il core resti dell'arder mio pago e contento. Pouvez-vous nous en exprimer le sens en français? C'est que l'amour me rend une salamandre, j'arde de cet amour. Et je ne sens pas le mal que cette ardeur pourrait me causer parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'homme que j'aime, l'objet de mon amour, même s'il m'arrache le cœur, qu'il soit payé de mon ardeur. Ce feu vous fait donc vivre mais mourir sans cesse, car le comte part souvent combattre en France et prend d'autres maîtresses. Que désirez-vous le plus ? Se poteste, Signor, con l'occhio interno penetrare i segreti del mio cuore, tutti altri desir vedreste spenti, od oppressi da grave ed altro sonno, e sol quei d'aver voi desti ed ardenti. Et le sens en français? Donc, si vous pouviez regarder avec un œil intérieur, pénétrer les secrets de mon cœur, vous verrez que tous les ardeurs, tout autre désir sont opprimés et endormis, et seuls les désirs de vous avoir sont éveillés et ardents. Votre santé ne résiste pas à cet amour malheureux. Vous mourrez à 31 ans. Dans votre dernier poème, vous vous repentez même de cet amour et vous dédiez ce poème au Christ, pour qui, une fois encore, malgré tout, vous brûlez. Vous écrivez: c'est vers toi, ô Seigneur, et pour tous ceux que tes saintes ardeurs consument, c'est vers toi que j'accours.